Salut à tous, c'est GadvaDor76 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous présenter mon matériel ferroviaire en Lego. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va commencer par les locomotives. Voilà. Donc je possède 1, 2, 3, 4, 5. 5 locomotives. Mais je me sers principalement que de ces 4 là. Car la locomotive à vapeur. Bon, je la trouve stylée, mais je l'utilise pas énormément. Donc en première, nous avons le cotracteur. Donc c'est une création maison. Il va falloir que je rajoute des feux. Voilà. Donc en deuxième, on a bien sûr la locomotive Lego City du set le train marchandise 50198, donc motorisée. Voilà. Donc elle a la possibilité de modification, elle est restée telle que je l'ai eu dans le set, à part que là j'ai eu un problème avec la pièce, j'ai dû la remplacer. Voilà. Donc celle-là je la trouve bien parce qu'elle ressemble à. Elle ressemble à une locomotive française. Voilà. Ensuite, on a une autre création que j'ai fait sur LDD. Donc celle-là, je l'ai fait sur Lego Digital Designer. Et après j'ai commandé les pièces. Donc elle est copiée sur la BB75000 il me semble. De SNCF Infrastructure. Voilà. Elle a subi des améliorations pour pouvoir être motorisée. Voilà. Ensuite, on a une autre locomotive qui vient cette fois-ci, donc qui n'est pas de chez Lego. Donc elle ne vient pas de Lego. Donc elle, je l'ai achetée sur leur site Blue Bricks. Voilà. Voilà. Donc c'est la BR146, avec les pantographes que j'aime bien, très réaliste. Voilà. Donc ça c'est la BR146, donc elle est équipée à l'intérieur pour être motorisée. Donc il me semble d'ailleurs qu'elle est motorisée. Regardez ça. Non, ça doit être l'autre. Oui, elle est équipée d'un hub. Voilà. Et enfin, pour terminer, la loco à vapeur. Donc de chez Lego. Donc le Poudlard Express. Donc je n'ai plus le numéro de la boîte en tête. Donc le Thunder a reçu quelques modifications. Là où j'ai rajouté un peu de charbon et tout, je l'ai agrandi. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est mes locaux. Donc c'est tout pour les locaux. Maintenant on va passer aux trains de voyageurs. Donc les trains de voyageurs, ils sont là. Donc ça c'est mon tout premier train Lego. Donc le 651, donc 60051. Là, le 697, et je n'ai plus le numéro en tête ni rouge. Donc pour commencer, donc on va commencer par le blanc. Là. Oups, je casse tout. Donc le blanc qui ressemble à un Nice allemand. Hein. Donc je l'ai. Donc je lui ai fait des bougies de TGV ici. Voilà. Un bougie pour deux caisses. Voilà. Donc comme ça c'est. La rame est fixe. Pour la transporter ou pour la faire avancer, c'est parfait. Voilà. Et c'est comme ça, ça m'a fait gagner aussi quelques bogies pour pouvoir faire des wagons en plus.
Ensuite, on a le suivant. Donc, le 601. Donc, le 60197. Voilà. Donc, il n'y a pas de locomotive à l'arrière. Donc, le 7 Lego est comme ça. Ce que je trouve dommage d'ailleurs. Parce que Lego ça a ressorti d'ailleurs un train comme ça. Donc, avec une motrice et deux voitures. Mais il ne rajoute pas la locomotive en plus. Donc le train est incomplet, donc, ce qui est dommage. Donc je vais sûrement regarder pour recommander une locomotive pour mettre à l'arrière. Mais pour le moment, du coup, j'en ai fait une rame réversible, où je viens mettre la locomotive là. Donc là, l'infrastructure, donc, étant donné qu'elle est jaune, elle passe bien avec le train. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que c'est le seul... point nul avec ce train orange que je trouve c'est l'un de mes préférés d'ailleurs. En plus il ressemble à l'Eurostar. Voilà. En plus aussi étant un bogie pour deux caisses. Voilà. Donc ça c'est le train jaune. Le 60197. Et pour finir, donc lui je l'ai acheté récemment, hein, alors qu'il est sorti il y a quand même en 2014, mais je l'ai acheté que très récemment. Voilà. Donc, il s'agit du train de voyageurs Lego City des années 2014, donc le rouge. Donc lui aussi, bon, d'ailleurs je me demande même si c'est peut-être même lui mon préféré comparé au orange, car lui est très 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 détaillé, hein, rien que sur la toiture, avec les bouches d'aération. Les pantographes. Voilà. Donc lui il ressemble à. Donc lui il ressemble énormément à la BR442, donc en Allemagne. Donc c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent de l'AGC mais en Allemagne. Voilà. Donc qui est un train aussi de bombardier. Donc la petite cabine. Donc voilà, donc ce train là est très bien. C'est l'un de mes c'est mon préféré. Voilà. Donc lui aussi, hein, un bogie pour deux caisses. Et voilà. Et c'est tout pour les trains de voyageurs. Donc maintenant, on va aborder les wagons de marchandises. Car c'est bien d'avoir des motrices. C'est bien aussi d'avoir des wagons. Donc j'ai principalement... Donc, d'ailleurs, je n'ai que... du citerne. Donc les 5 citernes là ont été achetées sur le site Blue Bricks. Et tous les conteneurs là c'est moi qui les ai faits. À part le conteneur qui est ici, donc qui était dans le 7 60198, donc avec la locomotive là. Donc voilà. Donc tous les conteneurs ont été, donc la plupart ont été imprimés, d'autres ont été créés par moi. Et d'autres ont été faits en Lego. Voilà. Donc en wagon de conteneurs, j'en possède 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 14 wagons de conteneurs. Donc j'ai plusieurs types, hein, de wagons. Donc de wagons conteneurs. J'ai deux types, donc j'ai des simples, comme celui-là, là, qu'on voit là, avec le conteneur vert. Donc je peux en mettre qu'un. Et j'ai les doubles, où je peux en équiper deux conteneurs. Donc ces wagons là ont été légèrement rallongés, donc en double j'en possède 1, 2, 3, 4 et 5 en comptant le petit là bas voilà. Donc avec ça je peux faire de longs convois, hein. C'est pratique pour copier un peu les longs trains de conteneurs qui passent à la gare de Marham. Et là, bah, c'est mes petites citernes, que je trouve d'ailleurs très bien fait. Très bien faites. Voilà. Bon, bah voilà. Donc, c'est tout pour cette présentation de mon matériel ferroviaire en Lego. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, cela fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!